Bonjour, bonjour à tous. Ah, je vois que Yann est là, c'est bon, ça commence. On va attendre un petit peu pour les retardataires. On va attendre quelques minutes et puis après on va parler tous ensemble des blends. Allez, j'attends encore 2-3 minutes. Salut Yann, je vois les commentaires qui s'affichent en même temps. Ça a l'air de fonctionner, c'est cool. Voilà, voilà. Tiens, écris juste pour me dire que c'est pas trop en décalé. Salut Adrien. Alors. Je vois le nombre de spectateurs qui augmente. C'est bien, tout le monde est à l'heure. À peu près. Ok, bon, superbe. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Allez, encore 30 secondes et puis je vais commencer à parler de Compagnie des Indes, des blends, de tout ce qu'on fait, voilà, de tout ce que je fais. N'hésitez pas à poser les questions en même temps, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure et puis un petit peu par la suite, une fois que j'aurai répondu aux quelques questions que Yann m'avait envoyées auparavant. Bonjour à tous, bienvenue, donc on va essayer de faire ça rapidement pour que vous puissiez aller manger pas trop tard. Donc je pense qu'on va faire 3 quarts d'heure de discussion ensemble. L'idée c'est quoi? C'est de parler de Compagnie des Indes, c'est de parler du blend, les différences entre des blends, comment on fait des blends, comment j'en suis venu à faire certains blends, comment je travaille pour les blends, comment je travaille avec les distilleries. Ça fait partie des différentes questions que j'ai reçues. Donc on va voir tout ça ensemble et une fois encore, n'hésitez pas à poser des questions pendant la discussion, puis je reviendrai sur le fil des questions après avoir parlé de tout ça. Donc, Compagnie des Indes, je pense que j'ai plus trop besoin de présenter la marque parce que si vous êtes là, si vous êtes sur le groupe, c'est que vous connaissez déjà et que vous êtes des fans de rhum en général, c'est le plus important. Compagnie des Indes, je suis donc embouteilleur indépendant, je suis aussi un blender, il y a certains qui s'appellent un master blender. Bon, je trouve le mot un peu élevé pour mon grade. En tout cas, voilà, l'idée c'est quoi? C'est de sélectionner des rhums authentiques, honnêtes du monde entier. Une fois encore, hein, comme je le dis souvent, j'ai rien inventé. Tout ce que je fais, c'est sélectionner des bons rhums, les importer, les assembler, parfois les faire vieillir un peu plus et puis les embouteiller. Ce que j'explique beaucoup ces derniers temps, c'est que pour un embouteilleur indépendant, il y en a beaucoup qui sont ce qu'on appelle des embouteilleurs indépendants de chaise de bureau. Ça veut dire qu'on est assis sur sa chaise de bureau, on fait des mails, on fait livrer des rhums à l'autre bout de la France. Ils sont embouteillés par des spécialistes, ce qu'on appelle des embouteilleurs à façon. Et ils sont mis en bouteille dans des cartons, sur des palettes, prêts à être expédiés. Et en général, les marketeurs qui créent ces marques, elles ne touchent jamais le produit. Nous, enfin moi, parce que c'est ma passion aussi, on a notre propre entrepôt, on fait vieillir nos rhums, on fait nous-mêmes nos assemblages, nos dilutions, notre brassage, on va parler de tous ces mots techniques ensemble. Et voilà, donc c'est important de le dire, on a une véritable valeur ajoutée, on touche les produits, on touche le rhum, c'est nous qui le mettons en bouteille, c'est nous qui le mettons dans les cartons et c'est nous aussi qui voyageons un peu partout à travers le monde pour le promouvoir. Alors forcément, en ce moment, c'est plus tellement le cas. Mais bon, on prend plaisir aussi à faire des petites masterclass comme ça devant son téléphone, dans son bureau. Alors, en gros, donc, embouteilleur indépendant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va sélectionner des rhums un peu partout dans le monde, des rhums de pas mal de distilleries différentes, et puis qu'on va soit les assembler, soit les embouteiller en single cask. Aujourd'hui, le thème de la discussion, c'est le blend, donc l'assemblage. Un assemblage, comment ça fonctionne? Comment on parvient à faire un assemblage? Quelle idée on a derrière la tête quand on veut faire un assemblage? Je vais répondre aux questions en essayant de suivre un ordre, mais en gros, un blend, comment ça se passe? Quand j'ai commencé la marque, j'avais un peu une vision de, ça fait 6 ans maintenant, de ce qui se consommait sur le marché et de ce que le consommateur aurait certainement souhaité déguster sur le long terme, parce que le palais du consommateur, il a évolué et je savais qu'il allait évoluer, on s'en doutait, parce qu'on a vu pareil dans les vins il y a 30 ans, enfin moi je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est ce qu'on a appris quand j'ai fait mes cours sur l'œnologie et la viticulture. L'idée, c'était quoi? C'était de créer des rhums qui soient digestes, des rhums qui soient faciles, des rhums honnêtes surtout, ça c'était le plus important. Donc quand j'ai créé le premier blend qui est en fait Caraïbes, quand j'ai créé Caraïbes, l'idée c'était quoi? C'était d'avoir quelque chose d'accessible, de facile, de gourmand, tout en gardant de l'honnêteté pour le produit. Alors Caraïbes, en gros,
Et ben, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais quelque chose d'assez suave, mais fruité, avec un peu de punch en fin de bouche. Alors, pour avoir quelque chose d'assez suave, donc j'avais une idée en tête, c'est surtout comme ça que je crée mes blends. J'ai une idée en tête, je sais là où je veux aller, et en fonction de ça, je vais utiliser différents ingrédients, comme une recette de cuisine au final, pour, si vous voulez, pour arriver à mon but. Donc l'idée c'était ça, donc je savais qu'avec un côté gourmand il fallait que j'aille chercher certainement des rhums un peu plus gras, un peu plus puissants, des rhums de la Barbade. Donc c'est 25% dans l'assemblage, c'est les rhums de la Barbade, mais c'est pas la majeure partie des rhums qui se trouvent dans la bouteille, mais c'est très important, ces rhums de la Barbade, c'est des rhums puissants, aromatiques, expressifs, et sur ce côté assez rond et gourmand. Donc c'était un peu l'idée d'utiliser des rhums de Barbade. Ensuite, il y a 50% de rhums de Trinité et Tobago. Trinité et Tobago, là, c'était un côté un peu plus fruité, floral, léger. Donc, c'était ce côté voilà, un peu plus doux et suave que je voulais apporter. Et enfin, le côté un peu plus punchy en fin de bouche, ça, c'était. Ah, le son est faible ou c'est moi? Bon, je vais parler plus fort alors. Et enfin, le petit côté monte le son. Alors, attendez, je ne sais pas comment je monte le son. Je sais pas si ça fait. Est-ce que ça fait quelque chose là? Je vais me rapprocher. Ça va mieux? Ça va mieux pour le son? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, ça a l'air d'aller mieux. Moi ça va, mais je suis effectivement à fond. Ouais. Ok, bon, bah, je vais essayer de parler plus fort. Donc, j'en étais. J'ai dit Barbade, le côté rond, gourmand, puissant. Trinité Tobago, ce côté un peu plus suave, un peu plus floral et fruité. Et enfin, la fin de bouche, parce que je voulais quelque chose qui va durer en bouche, mais sans avoir besoin de mettre énormément de sucre ou de rajouter de la vanilline ou toutes ces choses-là. En gros, l'idée, c'est que j'ai ajouté des rhums de Guyane anglaise. Donc la Guyane anglaise, c'est British Guiana, ce qu'on appelle les rhums Demerara, parce que la canne à sucre pousse le long de la rivière Demerara. Et donc ça, ces rhums-là, ils ont toujours ce petit côté un peu épicé en fin de bouche. Et c'était l'idée, apporter ce côté un peu plus punchy, comme le sel et le poivre qu'on met dans un mets, dans un plat en cuisine, ça va relever un peu les arômes. Et bah, la Guyane anglaise, là, sur cet assemblage-là, pour vous donner une idée, parce que j'ai pris le Caraïbe pour vous montrer comment ça fonctionnait, ce rhum de Guyane, le côté épicé, ça va lui donner une longueur en bouche qui est plus persistante, sans avoir besoin d'augmenter, comme je vous l'ai dit, les additifs ou même le sucre. Donc celui-là, 15 grammes de sucre par litre, une fois encore, la pâte de la marque, ça a été de toujours être honnête et de dire combien il y avait de sucre dans le rhum si j'en mettais. Donc 15 grammes par litre, sirop de sucre de canne bio liquide. Pour celui-ci, enfin comme pour tous les rhums, quand je mets du sucre, c'est du sirop de sucre de canne bio liquide. Alors, je regarde les questions en même temps, comme ça je vais essayer de répondre à tout. Donc quelles sont les étapes pour faire un blend? Bah, comme je l'ai dit, l'idée c'est visualiser, se dire ok, quelle est ma cible, qu'est-ce que je veux comme arôme en bouche, et après on va construire grâce à ça. C'est un peu comme dans les vins, nous c'est ce qu'on a appris quand je faisais mon master en commerce international vin et spiritueux. On imagine, je ne prends pas les vins de Bourgogne de là où je suis originaire, parce qu'on ne peut pas vraiment jouer avec les cépages. En Bourgogne, le rouge, c'est souvent du pinot noir à 98%, et le blanc, c'est à 95% du chardonnay. C'est le terroir qui va jouer. Par contre, vous descendez dans la vallée du Rhône, par exemple, là, on va pouvoir jouer entre les cépages. On va prendre de la Syrah avec ce côté un peu plus chocolaté, plus poivré. On va prendre le Mourvèdre dans le côté un peu plus vert, un peu plus végétal. On va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Le Carignan, là, on a le côté un peu plus raisin sec, raisin de Corinthe. Donc, en fait, en prenant la typicité de chacun des cépages dans le vin, notamment les Côtes-du-Rhône, eh ben, on va créer un assemblage qui pourra varier d'une année à l'autre pour avoir une identité pour sa winery, pour son domaine. Moi, je fais pareil avec le rhum, c'est-à-dire que je visualise, je sais quel type de rhum je veux faire, quel type de blend, quel type d'arôme je veux avoir à la fin, une fois assemblé. Et l'idée, c'est ça, c'est de prendre des rhums de différents pays qui ont chacun leur typicité, les assembler ensemble pour réussir à créer cette harmonie, cette balance que je voulais avoir au début et que j'avais en tête. Comment fait-on pour que les blends soient reproductibles d'une année à l'autre, surtout quand on dépend de fournisseurs comme des distilleries? Alors ça c'est une bonne question. Je le dis souvent quand je fais des masterclass un peu partout. La beauté du geste, c'est qu'en fait c'est un peu de l'orfèvrerie et du coup bah, d'une année à l'autre, c'est pas exactement le même blend. Si vous achetez le Caraïbe cette année, il est possible que dans 2 ans, si vous rachetez une bouteille, ça soit un peu différent. Mais c'est la beauté du truc, c'est vu qu'on mélange en général que
5 ou 6 fûts de différentes origines, bah forcément, les rhums gardent quand même leur caractère dans l'assemblage. Alors que quand vous prenez des multinationales qui mélangent des milliers de fûts, des millions de fûts, parfois, non, peut-être pas des millions, mais en tout cas des dizaines de milliers de fûts, bah là, vous avez une homogénéisation qui est la même tous les ans au final. Donc, il est possible que de temps en temps, il y ait des petites disparités, mais c'est ce qui fait la beauté du geste. J'ai quelqu'un qui me demande, vous êtes combien dans l'équipe à décider? Pour le moment, c'est que moi, je travaille avec Béranger, même si Béranger travaille maintenant avec moi à l'entrepôt depuis un an, ça m'a beaucoup soulagé parce que j'avais du mal à voyager, sélectionner et vendre en même temps et embouteiller. Donc Béranger, il est à l'entrepôt. Je fais toujours goûter un peu à l'équipe et puis à mes vendeurs, à mes commerciaux, à mes clients, à mes importateurs. On décide un peu ensemble. Quand j'ai une idée, je crée un produit, je le fais goûter et puis après on améliore. Voilà. C'est Florent. Les Holden réduits. Ou foolproof sont superbes. Ah ouais, c'est gentil, merci Sébastien. Alors, je continue à répondre aux questions. Cela prend combien de temps entre l'envie de réaliser un blend et la mise en bouteille? Bonne question, ça dépend des blends. Il y a des fois, on a des coups de chance, on va faire 2, 3, bon, peut-être pas 2, 3, mais 5 ou 6 assemblages différents. On va tomber sur quelque chose d'aromatique, qui nous plaît. Et puis sinon, bah, par exemple, comme pour le tricorne, je sais pas où je l'ai mis le tricorne. En gros, pour le tricorne, là, il m'a fallu 17 assemblages différents, 17 tests différents, parce qu'avec le rhum d'Indonésie, le Batavia Arak, pour trouver la juste balance, c'était assez compliqué. Parfois, il y a aussi des idées de termes, enfin des idées de prix. Donc, il faut regarder aussi jusqu'à quel pourcentage on peut mettre tel rhum pour rester dans une catégorie de prix qui reste compétitive et honnête. Alors, est-ce qu'on peut remettre un fût en fût une fois le blend réalisé? Oui, alors ça, c'est des choses que j'ai déjà vendues, notamment par exemple, comment ça s'appelle? Le Caribbean 10 ans. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, vous trouverez sur internet. Là, j'ai pas de bouteille vers moi. Attendez, non, j'ai pas de bouteille vers moi. Le Caribbean 10 ans, en gros, c'était un assemblage de Jamaïque et de Guyana qui a été assemblé et qui a vieilli dans le fût pendant 10 ans. Alors ça a eu un avantage, c'est que là, les molécules, elles vont vraiment se marier entre elles. Le rhum, il va vraiment apprendre à se connaître. Les deux rhums vont vraiment apprendre à se connaître. Et puis avec l'eau, le tout va vraiment délicatement se confire dans un fût et devenir de plus en plus élégant. Donc c'est un peu l'idée. Bonjour à toi, Knud. Ensuite, alors, est-ce que je visite tous les ans différentes distilleries pour réaliser de nouveaux blends? Alors, non, je ne visite pas tous les ans des nouvelles distilleries. Je fais en général un grand voyage tous les 2 ans. Et après, tous les ans, au fur et à mesure de mes promenades pour vendre le rhum à travers le monde, comme j'étais au Japon en novembre, je devais être en Australie juste enfin, pendant le confinement. Au tout début du confinement, j'ai dû revenir, j'ai fait Singapour, je devais aller en Australie finalement. Je n'ai pas été en Australie. Mais au fur et à mesure de mes prospections commerciales, je vais vendre le rhum. En même temps, j'en profite pour visiter des distilleries sur place. Sinon, sans quoi, une fois qu'on a fait le contact, c'est plus facile de recevoir des échantillons de la distillerie. On a déjà une relation de confiance. Et il y a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est les salons. Bon, forcément, avec le Covid, ça va être différent maintenant. Mais en tout cas, les salons à l'international, l'avantage, c'est que si vous voulez, un Rhum Fest à Paris, un Rhum Fest à Berlin ou à Londres, on voit des producteurs de la Barbade, des îles Vierges, enfin, un peu partout. Et du coup, c'est facile pour eux de nous apporter des échantillons à ce moment-là. Je vous avoue que j'aimerais bien voyager plus dans les Caraïbes, spécialement pour sélectionner. Malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent, du temps aussi, et j'ai pas tout le temps la possibilité de me déplacer tous les ans dans toutes les distilleries, ça c'est certain. Combien de personnes pour décider ce qui va être fait? Ben, ça j'en ai parlé, c'est surtout moi, et puis après je prends les retours qu'on me donne. Es-tu sollicité par les distilleries ou c'est toi qui prends les devants? Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que j'ai des distilleries qui me contactent pour savoir si je serais intéressé pour leur acheter des rhums. Le truc, c'est que bah, parfois les distilleries elles se lancent, donc elles ont des rhums très chers pour des rhums jeunes. Donc, moi, faire vieillir le rhum et l'acheter déjà très cher, ça va être compliqué parce que sur le long terme, je ne serai pas compétitif. Parfois, il y a des distilleries que je contacte moi qui n'avaient pas l'idée de vendre leur rhum en vrac et qui finalement sont intéressés. Il y en a certaines qui m'utilisent comme des outils marketing, ça j'ai déjà dit dans une ou deux présentations, dans ces outils marketing. En fait, pourquoi? Parce que par exemple, avec Savannah, on avait un deal où j'avais le droit de vendre du Savannah que je leur avais acheté
au Danemark. Pourquoi? Parce que au Danemark, ils n'avaient pas d'importateur à l'époque. Et en faisant Compagnie des Indes, moi j'avais un très bon importateur là-bas, et en marquant Savannah, Réunion, donc distillerie Savannah, et bien ça a permis à la distillerie Savannah de maintenant être importée en direct par mon importateur. Donc ça c'est pareil pour le Japon, ils autorisent certains pays. Donc c'est une manière de faire de la promotion d'une distillerie dans des pays où ils ne sont pas distribués. Après, à l'inverse, il y a des distilleries qui au début nous laissaient le droit à nous, à bouteilleurs indépendants, de mettre leur nom et qui nous ont interdit de le faire par la suite. Petit à petit, ça c'est ce que vous voyez quand il y a marqué secrète sur mes étiquettes, c'est que les distilleries ne veulent pas qu'on mette le nom sur la bouteille pour des questions de copyright ou pour ne pas utiliser leur nom pour faire la promotion de notre marque. Pour autant, parfois c'est nous qui avons fait connaître la distillerie, nous j'entends embouteilleurs indépendants hein, en général, Plantation, Ferroni, tous ces gens top, Compagnie des Indes. Et donc en gros, quand il y a marqué secrète, c'est qu'au début on a fait connaître une marque et que finalement elle ne veut plus qu'on parle d'elle, donc c'est un peu dommage. Alors je vais essayer de répondre à des questions en direct aussi. Y a-t-il une nouvelle série de prévues ou récentes en Fidji, peut-être en foolproof? J'ai du Fidji en stock à l'entrepôt qui est en train de vieillir. C'est possible, mais ça sera peut-être des embouteillages spécifiques pour un marché ou peut-être même pour un caviste. Donc à voir, garde l'œil ouvert, Samy. Bonjour Florent, pour le sucre que tu utilises, as-tu fait des essais avec du sucre blanc et sucre roux et as-tu noté des différences? Alors moi j'utilise en fait, si tu veux tu pourras m'envoyer un message en privé, mais en gros je travaille avec un fournisseur qui est basé à Cognac, qui fait pas mal de liqueurs d'expédition, liqueurs d'obscuration pour les cognacs, qui s'appelle Pechner, et moi c'est du sucre, sirop de sucre de canne bio, donc ça vient de la canne à sucre, c'est bio en plus, et donc sirop de sucre de canne bio liquide, qui a quand même ce goût assez un peu mielleux limite, c'est un tout petit goût, bon forcément j'en mets pas beaucoup, mais je préfère prendre du sirop de sucre de canne bio, plutôt que du sucre blanc raffiné, parce qu'on n'est même pas sûr que ça vienne de la canne, et du coup pour moi ça dénote un peu le produit. Voilà pour la question, les questions qui s'affichaient. Je continue sur les questions qu'on m'avait envoyées. Alors, est-ce que je suis tenté par des distilleries ou peut-être des origines nouvelles pour embouteiller les rhums? Ouais, ça c'est clair, je suis toujours très intéressé pour essayer de trouver, de dénicher des petites distilleries et être le premier à les embouteiller. Ça avait été le cas avec le Salvador. J'avais fait un Salvador 9 ans, donc de la distillerie Siwatan. J'avais fait un rhum de l'Indonésie, un Indonésie 10 ans aussi, où j'étais l'un des premiers à sortir. Les Brésiliens, il y en avait déjà eu quelques-uns avant moi, mais pas beaucoup, pas des vieux. Australie, il y a l'Esprit qui avait fait un Australie un peu jeune de chez Binley. Là, j'ai sorti un peu plus vieux. Et je devais aller voir Stephen McGarry, le directeur de la distillerie, à mon passage en Australie. Malheureusement, ça a été annulé. Voilà, donc effectivement, j'essaie toujours de trouver des nouvelles distilleries, des nouvelles origines. Le problème des nouvelles distilleries, c'est comme je disais tout à l'heure, bah, vu qu'elles commencent, souvent elles n'ont pas beaucoup de volume. Donc elles essaient déjà de vendre le rhum en bouteille, en blanc, dans leur région. Après, pour leur demander de fournir du rhum en vrac, en grande quantité, c'est plus compliqué. Mais bon, petit à petit, on y arrivera. Donc Afrique, Asie, effectivement, il y a... Notamment en Asie du Sud-Est, on voit de plus en plus de distilleries qui se lancent parce qu'il y a beaucoup de canne, c'est un bassin à canne très, très important. Après, ce n'est pas toujours facile de trouver la distillerie où on aura des prix et des produits corrects parce que les gens qui se lancent, ils n'ont pas toujours une idée très droite de ce qu'ils veulent faire, donc c'est un peu difficile. Alors, quel conseil donnerais-tu aux amateurs qui aimeraient se lancer dans les blends maison? Ça, c'est une bonne question. Bon, je pense que en expliquant un peu tout à l'heure ce que je disais au sujet des assemblages, l'idée c'est quoi? Quand vous voulez faire un blend à la maison, bah déjà c'est de vous dire à quoi va servir ce blend. Alors est-ce que c'est un blend que vous allez utiliser pour faire des cocktails? Ça c'est connu chez les barman, on fait ce qu'on appelle le house blend dans les bars à cocktails, surtout aux États-Unis pour faire par exemple leur daiquiri, leur mojito, tous les cocktails classiques à base de rhum. Souvent, les bars, ils font leur propre blend parce qu'ils veulent, souvent, ils vont faire un blend entre de l'agricole, du high proof, donc des rhums à haut degré d'alcool, et puis peut-être un rhum un peu plus moins cher pour couper le tarif. Donc ça, c'est souvent ce qu'on appelle le high proof, le house blend, pardon. Et donc le house blend, si vous faites un house blend pour chez vous, bah, c'est un peu l'idée, prendre de l'agricole peut-être pour ce côté un peu plus costaud, un peu plus végétal et aromatique,
couper avec un rhum blanc un peu plus léger pour pas que ça vous coûte trop cher. Voilà. Après, si vous voulez faire un blend pour de la dégustation, là c'est spécifique. C'est vraiment à vous de décider si vous voulez quelque chose d'extrêmement puissant. Bah, l'idée c'est quoi? C'est vous goûtez le rhum de chaque côté. Vous vous dites ok, imaginons si vous avez un rhum très puissant, il ne faut pas que ça soit la majeure partie de votre assemblage, il faut que ça soit une partie maximum d'un tiers. Et après, vous allez réussir à ornementer ce rhum-là, tellement puissant, avec des rhums un peu plus, ce côté peut-être plus végétal ou ce côté peut-être plus floral que vous voudrez apporter au rhum. Donc commencez avec une base puissante et solide, pas forcément puissante en alcool, mais en tout cas puissante en arôme. Et après, venez construire autour de cette colonne vertébrale que vous aurez créée pour jouer sur des arômes que vous préférez, des arômes salins, des arômes végétaux, des arômes fruités. Voilà. Il y a des questions qui passent en même temps, donc je vais essayer de remonter un petit peu. Alors, super. Arrives-tu à avoir un droit de regard sur l'élaboration des rhums que tu embouteilles avec certaines distilleries ou pas? Alors, tous les rhums que j'embouteille, c'est moi qui les embouteille. Tous les rhums que je reçois, je les ai sélectionnés. Donc, je reçois des échantillons des distilleries, mais je reçois le fût de rhum dans mon entrepôt, dans le Jura. Donc, toutes les réductions, toutes les dilutions, tout ça, c'est moi qui les fais. On va en parler là. J'ai un contrôle, effectivement, et j'ai un droit de regard sur l'élaboration des produits que j'embouteille, puisque c'est moi qui le fais. Enfin, pas moi, mais c'est Béranger qui le fait. Donc, chez mon. Pas associé, mais chez mon ami de Bruno Mangin, qui est propriétaire de la brasserie Rouge et de Lille, les bières Rouge et de Lille, et aussi des whisky BM Signature, donc des whisky français, ça fait 15 ans qu'ils distillent. Voilà, j'ai répondu, j'espère avoir répondu, Samy. Alors, Esquerot, salut Florent, sur le tricorne, tu as un mélange agricole et mélasse et batavia arrak. Oui, tout à fait, il est très sympa, quelque chose du même genre en vieux a été testé. Bonne question. Alors, si par quelque chose du même genre, tu entends quelque chose avec du Batavia Arak, pas vraiment, parce que le Batavia Arak vieux, il y en a très très peu. C'est pour ça que l'Indonésia, 10 ans que j'avais vendu, c'était une rareté. Et ça reste un de mes embouteillages préférés, en single cask. Donc, du coup, avec du Batavia Arak, j'essaie en général de l'embouteiller tout seul. C'est en vieux. Mais c'est peut-être une idée que tu viens de me donner à réfléchir. Je vais voir. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions entre-temps. Perso, j'ai essayé un rhum vieux Clément pour apporter le côté fût et le herbe de Vélier. Je galère au niveau des proportions. Ouais, bah, faut pas mettre trop de herbe à mon avis. Et puis tu verras, tu arriveras peut-être à faire des proportions un peu mieux équilibrées. Salut Florent, j'ai ouï dire que tu avais du fût de Caroni encore caché, vas-tu le garder pour toi ou l'embouteiller un beau jour? Ma source, c'est Monsieur Moutarde. Tu t'es bien renseigné, Quentin. Il est possible que j'ai encore un peu de Caroni et qu'on m'en offre peut-être encore, mais parfois il faut regarder les tarifs. Je veux pas paraître pour quelqu'un de trop gourmand et je veux pas sortir des bouteilles, même si je fais que reporter le prix qu'on m'a facturé. Je veux pas des produits qui sortent trop trop cher, donc je suis encore en train de voir si j'en bouteille ou pas et à quel tarif. Voilà. Je continue sur les questions qu'on m'a posées là. Alors, le marché selon moi tend plus vers le blend ou le single cask. Alors, c'est-à-dire que le marché de volume et des petits prix, forcément, ça tend plus vers les blends. Le marché de single cask, bah, lui, c'est plus pour les amateurs, surtout la majeure partie d'entre vous qui m'écoutez en ce moment. Les single casks, forcément, c'est pour l'amateur averti, c'est quelque chose qu'on va déguster, il faut prendre le temps, il faut l'apprécier, il faut le comprendre, le produit. Et parfois, bah, des gens qui sont juste là pour boire et pas vraiment apprécier, ça vaut pas le coup pour eux de mettre de l'argent dans le single cask. Donc le single cask, ça reste une petite part des ventes, en tout cas pour les multinationales. Pour nous, les petits, c'est un peu plus grand parce que forcément, on est connu pour faire de la qualité, donc on vend un peu plus de qualité. Mais en termes de volume, les blends, ça prendra toujours le dessus. Pour autant, je pense que chez l'amateur, il y a de très bons blends, mais c'est certain qu'on s'éclate sur des single casques. Et puis nous aussi, on s'éclate à embouteiller des single casques parce que c'est là qu'on trouve les plus belles choses. Alors, je continue. Il y a des blends qu'il faut éviter.
Alors, si tu parles de blends qu'il faut éviter, c'est Pascal qui pose la question. Des blends qu'il faut éviter en termes d'origine, je sais pas, je pense. Moi, je dirais que si tu dois éviter des blends, c'est si tu pars avec de mauvais produits de départ. Si tu pars avec de bons produits, ça c'est aussi une des règles. C'est comme la bonne cuisine. Si tu veux faire des bons blends, si tu veux faire un bon repas, ben, il faut partir de produits qui ont des arômes. C'est comme la tomate mozzarella. Si tu veux faire une salade caprese, tomate mozzarella basilic. Si tu prends des tomates qui n'ont pas le goût de tomate et de la mozzarella qui n'est pas une vraie mozzarella di bufala, ta salade caprese, elle va avoir le goût de sel, de poivre et puis peut-être de vinaigre et d'huile d'olive. Mais elle n'aura pas le goût de la tomate ou pas le goût de la mozzarella. Là, c'est pareil quand tu fais un blend chez toi, ou comme moi je fais un blend. L'idée, c'est que si tu pars avec des produits qui sont aromatiques et qui ont déjà un peu de corps, tu as plus de chances de créer un blend harmonieux et quelque chose d'élégant. Aussi, quand vous faites votre blend à la maison, laissez-le reposer en bouteille bien une semaine avant de le déguster parce que ça lui permettra aussi. Ça permettra aux molécules de chacun des rhums de s'assimiler, de se marier ensemble plus délicatement. Alors, c'est pour ta réponse. Je regarde, hein, j'essaie de jongler entre les différentes questions. Alors, escroc, ton blend préféré, produit CDI et produit des autres. Mon blend préféré CDI, c'est le Jamaican Navy Strength, parce que pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. 100% 5 ans d'âge, pas de sucre, de distillerie Jamaïque, 100% jamaïcain, c'est un super rapport qualité-prix. Produit autre en blend, qu'est-ce qu'il y a que j'aime beaucoup? Bon, après, c'est parce que je travaillais pour Banks aux États-Unis, donc j'aime bien le Banks Five Island et puis le Banks Seven que je trouve délicieux dans un old fashion. Chez Plantation, il y a 2-3 blends que j'aime bien. Je trouve leur Xamaïcain un peu sec, mais il a du punch. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Ferronier aussi en blanc, là, j'aime bien sa Dame Jeanne. Après, je sais même pas, je crois pas que ce soit un blend la Dame Jeanne. Je m'excuse Guillaume, je sais plus trop. Voilà un peu. Alors Pascal, il n'y arrive pas de faire un blend pour rattraper un jus pas top. Si, c'est possible aussi. Le problème, c'est qu'une fois que tu fais un blend avec un jus pas top, il faut vraiment en mettre avec parcimonie, c'est-à-dire 10%, pour pas que ça se sente trop, pour couvrir un peu ton jus pas top. Ça, c'est une manière aussi, effectivement, pour parfois quand tu as un fût qui dévie, de pouvoir vendre le fût qui dévie en mettant une petite couche dans certains de tes blends. Alors, je continue sur les questions. Comment fait-on une bonne réduction? Alors ça c'est plus quand on parle de professionnel, plus qu'à la maison, mais vous pouvez le faire quand même. Sachez que quand vous mélangez 1 litre d'eau et 1 litre d'alcool, ça ne fait pas 2 litres au total, ça fait 1 litre 975 à peu près. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous en fait dans l'ADN de l'eau et dans l'ADN enfin dans la chaîne de molécules de l'eau et dans la chaîne de molécules de l'alcool. Et du coup, quand vous mélangez les deux ensemble, ces trous, ils vont se refermer en fait, ils vont se remplir avec l'ADN de l'un ou de l'autre. Si vous voulez que ça se passe délicatement, il faut assembler l'eau et l'alcool doucement pour que ce qu'on appelle le mariage se fasse délicatement. Sinon, si vous le faites trop rapidement, les molécules elles rentrent en friction et ça crée ce qu'on appelle des off flavors, des arômes déviants. C'est ce qu'on sent surtout dans des alcools de mauvaise qualité, des trucs très très alcooleux, le côté alcool à brûler au nez. Ça, c'est un spiritueux qui a été mal réduit. Donc, toujours ajouter de l'eau délicatement. Nous, on utilise de l'eau osmosée, c'est de l'eau qui est dépourvue de tout minéraux et sédiments, qui n'a pas de goût. Donc, ça, il faut un osmoseur chez soi pour faire ça. Parfois, on voit ça dans les restaurants. Il y a des gens qui en ont quelques-uns chez eux, mais ça coûte très très cher. Nous, on en a des professionnels, forcément, parce qu'on brasse énormément de litres d'eau à l'année. Et la bonne dilution, c'est ça, c'est une dilution lente. Nous, on fait en général en 3 fois sur 1 mois. Et on va, entre chaque dilution, quand c'est des gros volumes, on va brasser. On a une espèce de gros brasseur qui est pour l'industrie du miel au départ, et avec 2 cônes au bout, et ça va assembler eau et alcool ensemble. Délicatement, on va laisser tourner pendant 2 heures. Et après, on laisse reposer une semaine, on rajoute un tiers d'eau, on rebrasse, on laisse reposer. Et puis là, petit à petit, les molécules vont se marier les unes entre les autres. Voilà un peu pour comment faire une bonne réduction. C'est très important. Forcément, il n'y a que les petites sociétés qui peuvent le faire. Les multinationales, il faut envoyer, il faut distiller, il faut
embouteillé, il faut vendre le lendemain parce que moins le rhum reste chez eux, plus rapidement il est sur l'étagère chez le client, plus rapidement il récolte de l'argent, plus rapidement il gagne de l'argent. Donc ça, c'est la philosophie des multinationales, c'est pas la nôtre. Est-il possible, alors attendez, j'essaie de suivre les... Est-il possible de faire connaître les distilleries du Jamaïca? Le Navy Strength est un must have. Merci Samy. Alors, pour le Jamaïca Navy Strength, tout comme pour le Jamaïca à 43 degrés, c'est les deux, c'est le même blend de départ qui est en général à 65% dans les fûts. C'est distillerie Worsley Park et distillerie Clarendon, aussi connue sous le nom de Money Musk. Voilà, c'est les deux distilleries dans l'assemblage. Ton single cast préféré chez CDI, Greg, ta question. Récemment, le Trinidad 16 ans, que j'ai sorti à 63,5. Je crois que c'est un de mes plus beaux embouteillages. Quoi d'autre? L'Indonésie à 10 ans. J'ai fait un Jamaïca JFP F15, un Amden 15 ans, il y a de ça 3 ans, qui était vieilli entièrement en fût de chêne français. Du coup, ça avait créé une très belle harmonie entre la puissance et l'opulence du Amden et le côté plus grain fin et donc plus épicé et plus tannique du chêne français. Un Caroni 21 ans fait pour le Danemark en full proof il y a de ça 4 ans. Voilà, c'est à peu près mes must-have. Je suis amateur de rhum, surtout agricole, je connais la Compagnie des Indes. Par contre, jamais acheté car je me perds beaucoup. Sur quoi je peux partir? Question de Romain. Romain, bah écoute, ça dépend de ce que tu consommes toi. Si tu as l'habitude de boire des Jamaïcains full proof, très high ester, prends du Jamaïca Navy Strength de chez moi. Si tu préfères des choses plus rondes, plus gourmandes, style Guatemala, Zacapa, ces choses-là, va sur le Latino, parce que là tu as un véritable Amérique latine, mais gourmand, avec 15 grammes de sucre maximum, 100% 5 ans d'âge, et puis pas de colorant, pas d'additif, rien du tout, jamais de colorant dans mes rhums. Et puis quoi d'autre? Le West Indies, c'est un bon compromis. Je te parle de blend, je ne parle pas de single cast, parce qu'il y en a eu tellement. Le West Indies, c'est un bon compromis, 100% 8 ans d'âge. C'est un peu à la croisée des chemins entre les rhums latins et les rhums british, parce que tu as des rhums de République Dominicaine et du Panama, et des rhums de Barbade et de la Guyane anglaise. Et 0 g de sucre, 100% 8 ans d'âge, embouteillé à 42 degrés. Voilà, Romain. Ok. Alors, je continue sur les questions sur l'ordi. Tu peux nous expliquer ce qu'est le brassage? Alors, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, le brassage, c'est quoi? C'est battre, en fait, mélanger l'eau et l'alcool au moment où on vient d'ajouter l'eau dans l'alcool pour la dilution. Et ce brassage, en fait, non seulement il va oxyder un peu aussi, l'oxydation, c'est important dans les spiritueux, même s'il ne faut pas qu'elle ait lieu trop rapidement. Donc, ça oxydera un peu. Et en plus de ça, ça permet, comme je vous l'ai dit, d'assembler, de bien aider les molécules d'alcool et d'eau à s'assembler ensemble, à se marier ensemble. Alors, est-ce que le blend est à l'origine créé pour améliorer un produit basique? Ça peut être vu comme ça. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure au cours de la question que j'ai eue pour est-ce que le blend peut permettre de cacher un mauvais rhum? Alors, il ne faut pas que le but ultime ce soit effectivement d'améliorer un produit basique. Le but ultime, c'est de réussir à créer une harmonie et quelque chose de bien équilibré, d'intéressant, d'élégant. Donc, c'est surtout ça le but de créer un blend, c'est de créer grâce avec les outils qu'on a, donc les différents rhums du monde, créer des nouveaux arômes, des nouvelles sensations. Grâce à cet assemblage de rhum de différents pays. Mais il ne faut pas se dire parce que j'ai un mauvais rhum, tiens, hop, je vais le mettre dans un blend et puis ça ne se verra pas. Non, l'idée c'est plutôt, si on a un mauvais rhum, de se dire bon, comment je vais l'améliorer, dans quel type de fût je vais le remettre, parce que nous on réutilise nos fûts souvent, on achète différents types de fûts aussi, on a notre propre fûtaille et on refait nous-mêmes nos fûts. En tout cas, on les re-rend hermétiques, ça c'est Béranger qui s'en occupe. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Alors, question escroc, un test un peu improbable que tu as fait, que ce soit sur du blend ou à saut rhum plus fût atypique. Je pense que le test le plus improbable, je vais vous montrer la bouteille, c'est le boulet de canon numéro 5. Donc, boulet de canon numéro 5, en fait, celui-ci, il a ce que j'ai fait, j'ai pris deux fûts qui avaient contenu du vin rouge. Je les ai emmenés dans, vous connaissez peut-être l'histoire, donc les boulets de canon, c'est des éditions limitées qui sont tous fumés,
le numéro 5, là ça, bientôt ce sera le numéro 8, on va en parler. Donc là, le numéro 5, j'ai emmené deux fûts qui avaient contenu du vin rouge, on les avait ouverts d'un côté, je les ai emmenés dans ce qu'on appelle un tuyer dans le Jura, dans le Haut-Doubs. Le tuyer, c'est là où on fume les saucisses de Morteau et les jambons de montagne. On a laissé les fûts pendant 2 mois dans le tuyer, ils se sont imbibés de ce côté très fumé, comme les saucisses et comme le jambon. Et donc au bout de ces 2 mois, j'ai récupéré les fûts, je les ai refermés, on a mis de la vapeur autour pour les rendre hermétiques, pour qu'ils gonflent. Et là, on a mis le rhum dedans, et puis le rhum, il avait le goût très saucisse de Morteau, bacon, sauce barbecue. Donc ça, je pense que c'est le truc le plus un peu farfelu que j'ai fait, mais surtout le truc le plus cool. C'était vraiment sympa à créer. J'essaie de répondre en même temps aux questions. Hop. Pascal, il n'y a pas systématiquement un temps de repos après avoir fait le blend? Si, si, toujours un temps de repos après avoir fait le blend. Donc on fait le blend, on laisse reposer, et puis de toute manière, souvent on fait le blend à haut degré, et puis on va devoir le diluer pour le mettre en bouteille. Donc il y a de toute manière un temps de repos au moment où tu dilues, puis une fois la dilution faite, on laisse reposer avant la mise en bouteille, et après, une fois la mise en bouteille faite, on laisse reposer 1 à 2 semaines dans les bouteilles avant expédition, pour pas que, on sait jamais, ça arrive deux jours plus tard chez le caviste, que le client l'achète le soir même et qu'il la goûte, parce que le rhum il est un peu secoué une fois qu'on l'a mis en bouteille, donc il faut au moins attendre 2 semaines avant de l'ouvrir pour que ce soit à peu près élégant. Alors, puisqu'on est sur les blends, comment procèdes-tu pour faire les blends? Tu fais des échantillons de 1 centilitre par rhum du blend, tu secoues et tu goûtes. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, alors comment je fonctionne en termes logistiques, tu veux dire, physique? Souvent, je ne sais pas si je peux vous montrer ici. En gros, j'ai des petites pipettes comme ça de rhum. Voilà, de différents pays que je me fais, des pipettes de mon entrepôt. Et puis ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de chaque. J'ai un. Je sais pas si je l'ai là, mais attendez, je vais regarder. Voilà, j'ai des petits outils comme ça un peu. Donc on prend un petit peu de centilitre de tel rhum, un peu de centilitre de tel rhum. On va les mélanger. Alors c'est très approximatif. Mais l'avantage, c'est quand on fait ça de manière approximative et que ça arrive à être quelque chose d'élégant et de bon, on sait que quand on le fera en gros volume, avec les bons outils à l'entrepôt et délicatement, et ben ça pourra en être que forcément meilleur. Mais c'est marrant parce que même sur 10 centilitres, on retrouve quelque chose qu'on a, même 1000 litres après, un blend fait avec 1000 litres après, on retrouve ce qu'on avait fait avec nos 10 centilitres à peu de choses près. On se trompe rarement au final, c'est assez rigolo. Samy, est-ce que dans ton blend latino, tu achètes des rhums sans ajout de sucre et tu fais toi-même ou tu rajoutes les 15 grammes par-dessus les rhums déjà sucrés, sachant qu'il est de leur tradition de sucrer? Oui, alors bonne question. Non, je reçois que des rhums jamais sucrés. Jamais sucrés, donc c'est les rhums directement dans le fût, à part peut-être 1 ou 2 fois, mais je crois même pas, non, c'est sûr, parce qu'on a des analyses pour les transports, donc jamais reçu de rhum sucré. Et effectivement, je les reçois non sucrés et c'est moi qui mets le sucre uniquement. Donc, c'est pas 15 grammes en plus des rhums déjà sucrés, c'est juste 15 grammes de sucre, point barre. Voilà, ok, allez, je continue pour les questions. Comment te vient l'idée d'un blend? Tu goûtes ça et ça te donne des idées? Bon, je crois que j'ai répondu tout à l'heure. Donc, oui, l'idée d'un blend, c'est quoi? C'est soit je pars d'une tendance du marché, je sais pas, des rhums aujourd'hui, je dis n'importe quoi, demain on va aimer des rhums très 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 amers, avec beaucoup d'amertume et ce côté végétal. Et l'idée c'est de se dire, ok, quel distillerie je connais qui va produire comme ça, comment je vais faire pour arriver à faire un blend qui permet d'apporter ces types d'arômes aux consommateurs. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment toujours voir ce qui se fait sur le marché pour vous donner une idée et puis pour vous parler un peu des nouveautés, parce qu'on en a parlé, c'était un peu l'idée aussi de la masterclass. Aujourd'hui, je travaille là depuis le confinement, en fait, j'en profite pour travailler sur un projet de spiced rum, donc un rhum épicé. Alors, parfois, je me dis que c'est un peu en désaccord avec la marque, puisque moi, j'essaie de remontrer uniquement le terroir des rhums et puis de pas les changer. Mais l'idée, c'est de se dire qu'en fait, il y a tellement de spiced rum sur le marché qui sont même pas des spiced rum, qui sont de l'alcool à brûler avec des additifs et des extraits d'écorce d'orange amère, des extraits de vanille, du colorant à foison. En fait, ça n'a jamais touché une épice de sa vie, ce rhum-là. Donc, l'idée, c'est quoi? Il y a un bon spice rhum sur le marché pour moi, c'est Chairman's Reserve, qui est très très bon.
Parce que c'est le seul rhum pratiquement sur le marché qui doit être vraiment en contact avec les épices à un moment. Donc je me suis dit que voilà, l'idée c'était peut-être une idée de créer un spice rhum avec un rhum véritable qui va être en macération avec les épices pendant quelques temps. Parce qu'au final, j'ai déjà fait un peu des spice rhum avec mes boulets de canon pour réussir à avoir des arômes épicés et fumés surtout. Donc voilà, l'idée c'est peut-être de créer aussi un rhum sur le long terme qui sera reproductif. Ce sera un blend, un spice rhum en blend. Un peu rigolo. Donc voilà, je pars d'une idée, je sais ce que je veux, je sais que je veux pas un rhum ultra aromatique, très vanille, très noix de coco, très orange amère. Je veux quelque chose de bien équilibré, avec un peu de punch, de peps. Et ben voilà, j'ai eu cette idée en tête, et puis ben, là je suis en train de faire mes macérations de plantes, enfin d'épices dans le rhum pour voir quelles sont les proportions que je dois utiliser. Donc là, ce n'est pas vraiment un blend en utilisant différents rhums, c'est plutôt utiliser différents rhums qui ont macéré avec une épice, mélanger entre eux et puis voir comment ça fonctionne le mieux. Merci de ta transparence. Ben, c'est normal, ça a toujours été la marque de fabrique. Bonsoir Florent. Alors, je réponds à Zemog. Alors, Zemog, bonsoir Florent. Super explications sur ta démarche. J'ai pas bien suivi, le Navy Strands provient de quelle distillerie de Jamaïque? Uniquement un assemblage de 5 andages, 100% 5 andages uniquement, deux distilleries de Jamaïque, Worcy Park et Clarendon, aussi connu sous le nom de Money Musk. Voilà, je me répète, mais c'est pas grave, c'est normal. Il y a des gens qui viennent, c'est les va et vient. Jamaïque, alors escroc, Jamaïque, Barbade, Guyana, Barbade, Jamaïque. Pourquoi pas un petit blend sur du au moins 12 ans, genre Foursquare plus Worcy Park? C'est une idée, escroc. Le problème c'est que plus ça va, plus on monte en âge, plus on a de difficulté à avoir des stocks, et le problème de faire un blend c'est qu'il faut qu'on soit au moins certain de pouvoir assurer des stocks sur le long terme, parce que je dis n'importe quoi, si on vend à nos cavistes, à mes cavistes partenaires les rhums, et du jour au lendemain bah, vous allez chez votre caviste, vous demandez tel produit et que le caviste n'a pas pu l'avoir parce que j'ai pas pu lui fournir, vous allez essayer de le trouver ailleurs, et du coup le caviste il pensera avoir perdu un client à cause de moi. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire attention. Souvent, les distilleries, elles peuvent proposer des rhums aussi vieux. En tout cas, dans les whisky, dans les rhums, c'est de plus en plus difficile. Mais elles le peuvent parce qu'elles ont une vision de leur stock sur le long terme. Moi, je ne suis pas certain que sur le long terme, on continue à vendre du 12 ans, du 12 ans, du 12 ans. Donc voilà, c'est un peu c'est pour ça que je ne fais pas des blends de vieux rhums comme ça. Je l'ai fait, mais en petite quantité. Je fais des small batch. J'ai fait le Veneragua, si vous connaissez. J'ai fait le Dominidad. Ça, c'était des small batch, donc des petits blends. Parce que pour moi, même si la majeure partie de mes blends sont des small batch, au final, parce qu'au bout d'un assemblage au-delà de 10 fûts, pour moi, c'est plus du small batch, c'est du blend. Et puis, ça a plus de typicité parce qu'on homogénéise trop les produits. Donc, je fais des blends un peu plus vieux en âge. C'est des small batch, c'est du blend au final, un small batch. Mais c'est rarement plus de 5 fûts mélangés ensemble parce qu'au-delà de 10, comme je vous disais, au-delà de 5 même, on perd les arômes de chaque pays. Mathieu, salut Florent, que penses-tu de la transparence dans le monde du rhum? La transparence dans le monde du rhum, je pense qu'elle a évolué au fil des 5 dernières années à cause du consommateur, ou plutôt grâce au consommateur, et c'est une bonne chose. De plus en plus, je pense que maintenant on ne peut plus trop mentir, en tout cas les producteurs ne peuvent plus trop mentir, et puis les marques qui se montent de toutes pièces comme ça, avec un joli packaging, mais pas de pignon sur rue, pas de vraie relation avec les distilleries, pas de personne derrière la marque, je pense qu'elles auront de plus en plus de mal sur le long terme. Voilà, je pense que c'est ça. En tout cas, la transparence, elle a évolué, elle s'est améliorée dans le monde du rhum, et j'espère que ça va continuer comme ça. Comment est venue ta création du Cayman? Le Cayman, c'était ça, c'est un peu une idée du blend. On parle du blend en ce moment, c'est une bonne question de parler du Cayman, Pascal, merci. L'idée c'était quoi? C'était célébrer les 5 ans de la marque Compagnie des Indes, et pour les 5 ans de la marque, je voulais prouver qu'un embouteilleur indépendant, en plus d'embouteiller et de sélectionner des bons single casks, l'idée c'est aussi de pouvoir mettre en avant la beauté d'un blend, parce que dans les vins il y a des très très beaux blends, et pareil dans les spiritueux, le cognac c'est du blending depuis des années. Je voulais faire pareil avec un rhum, donc utiliser certains des plus vieux fûts que j'avais en stock et voir s'ils pouvaient fonctionner ensemble et créer cette harmonie justement. Donc le Cayman c'était ça, c'était s'inspirer du blending et prouver que même sur un rhum très haut de gamme, on peut faire un très bon blend. Et une fois encore, le Cayman, l'idée c'était quoi? Moi vous voyez, je ne vends pas un âge sur mes bouteilles, Cayman il n'y a pas d'âge. L'idée c'est quoi? Tout est marqué sur le côté de l'étiquette, hein, la proportion de chaque rhum, de l'âge et tout ça, toujours dans cette idée de transparence. Mais
comment dire, l'idée c'est pas de vendre un âge, c'est pas de mettre un gros 20 ans, 40 ans sur la bouteille pour que les gens ils achètent juste l'âge, c'est que les gens comprennent le produit, qu'ils se renseignent sur le produit et qu'une fois acheté, comme ça ils se sentent pas lésés, ils savaient ce qu'ils achetaient et ils comprennent mieux le produit quand ils le dégustent. Ils comprennent mieux. Ouh. Allô, ça fonctionne? Bon, en direct, il semblerait que ça fonctionne encore, j'espère. Fabrice, bonsoir Florent, les infos sur les prochains single casques ou brutes de fût à venir. Alors, avec le Covid, les projets ont été un peu, revus à la baisse, malheureusement. Bon, les stocks, je les ai, donc au moins ça c'est l'avantage qu'on a, même si on perd beaucoup de chiffre d'affaires, les stocks restent là et puis ils ne se dévalorisent pas, donc c'est une bonne chose. On a cette chance-là. Cette année, il y aura. Bah là, ce qui est certain, c'est que le boulet de canon 8, il va bientôt sortir. Donc, ça, le numéro pair, tous les nombres impairs chez boulet de canon, c'est un finish en fût de whisky tourbé. Tous les nombres pairs, c'est un finish en fût de whisky tourbé. Tous les nombres impairs, c'est des finish, c'est des choses un peu impaires, des choses bizarres, des macérations, des trucs comme ça. Donc, le boulet de canon numéro 8, finish en ex-fût de la Froeg. Voilà. Donc, 4 fûts qui sont passés en fût de ex-fût de la Froeg. Ça va sortir bientôt. En single casque, j'ai des origines un peu sympas, mais on va voir ce que ça donne. Je vais voir quand je les ai en bouteille, je ne sais pas exactement. J'ai deux single casques qui sont partis pour le Japon, dont un Savannah. Là, malheureusement, c'est dispo que pour le Japon. Et puis voilà, et quelques finishes qui sortiront cette année. Et peut-être des Caronines, on verra sur la fin de l'année. On verra.